Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du pays de la mort. Une lumière a resplendi. Tu as multiplié. Bonjour, jeudi dimanche 5 décembre 2021. C'est deuxième dimanche temps d'avant, année liturgique, année C. Nous songeons dimanche passé, il y a noté parlé sous liturgie l'église là. Année A, lecture a sorti dans l'évangile Saint Matthieu. Année B, dans l'évangile Saint Marc. Et puis année C, dans l'évangile Saint Luc. Alors c'est comme ça, pour finir là, nous dans année C et nous comprendre lecture l'évangile là l'absolu dans Saint-Luc.
Mais deuxième dimanche dans l'avance qui s'étend en préparation pour Noël, nous avons deuxième semaine pour nous arriver bon Noël, il y a 4 semaines. Nous avons texte dans la Bible, passage qui sortit dans la Bible, parole bon Dieu, premièrement dans l'Ancien Testament, dans le livre un prophète qui aurait les Baruch. Ça veut dire monde qui bénit. Passage ça, il parle nous sur question de route, monde qui dans route, qui fait route. Li parle en pile sur route là, c'est comme s'il annonce nous et nous gon destination nous aller, nous gagnon route n'a fait. Prophète Baruch li annonce l'exil qui pral fini pour peuple bon Dieu a quitté à Babylone en exil. Et puis pour yo préparer route pour yo retourner, pour yo rentrer Jérusalem. Mauvais route, nous connaît bout code gâte voyage, rete voyage. Mais mauvais route empêche voyage fait. Donc faut yo mettre yo au travail et puis faut yo côté qui gagne en pile but faut yo ranger yo côté qui gagne en pile trou faut yo aplanir yo faut yo préparer route la route qui vire cocher faut yo mettre yo droite. Mais tout ça n'a pas de là dans prophète Baruch dit là non et première lecture, le prophète Baruch chapitre 5 verset 1 à 9. Tout ça c'est en façon métaphore, une façon pour lui faire une comparaison. Ça le veut dire, Noël pour arriver, c'est pas simplement pour nous préparer route et côté n'a marcher pour qu'on a la caille non. Mais c'est dans la vie non, c'est dans l'étude à tout, c'est dans tout ça n'a fait yo pour nous quitter lumière bon Dieu y a entré. Pour lui retirer ça qui empêchait nous marcher droit dans la vie nous pour lui planifier pour l'aider nous planifier route la vie nous comme ça doit puissance bon Dieu dans sacrement yo c'est là nous joindre force pour nous préparer route là tout bon. Deuxième lecture et parole bon Dieu jodi a non et après somme non nous connaît toujours en Ancien Testament avec yon somme somme non c'est somme 125 qui chante gloire pour grand maître la grand maître la fait merveille pour nous nous gain cœur content grand maître la ba nous cœur content. Deuxième lecture il sorti dans l'épître Paul qui écrit Philippiens. Paul qui parlait avec Philippiens et puis qui dit yo combien ça important pour rester dans la prière pour rester ensemble bon Dieu servir le témoin il dit qui Jean il remet yo tout dans li la prière pour yo sans arrêter pour charité yo a déborder tout temps et plus pour yo servir Jésus-Christ net aller. Et puis finalement c'est l'évangile là l'évangile Saint-Luc dans chapitre 3 verset 1 rivé verset 6 qui est raconté sous 5e année règne Tibère César Ponce Pilate t'a commandé la Judée Hérode même tes chefs dans la Galilée Philippe te frère li te chef nan région Iturée avec Traconiti et Lysanias te chef nan Abilène pendant Anne ak Caïphe te prêtre en chef parole grand maître la rivé sous Jean petit Zacharie nan savane li vini nan toute région Judée la prêché un baptême pénitence pour péché yo effacé d'après ça qui est écrit dans le livre prêche prophète Isaïe. Voici là qu'ap relé dans savannan paré route grand maître là égaliser sentier lio tout bafon yo doit combler tout monde à tiroté doit rabaisser chemin crochi doit vin droite route falaise doit vin tourner terre plate. Tout chair après délivrance bon Dieu même thème route là c'est lui même qui paraît là tout dans l'évangile Saint-Luc là mais tout ça c'est dans prédication Jean qui venait pour préparer route là pour cela qui va venir après lui. Jean ça c'est des cousins Jésus Jean ça c'est un qui venait avec prédication parole là annoncer son parole pour repentance, son parole pour conversion. C'est pas seulement à préparer une route côté pour monde marcher à pied,
Mais son conversion du cœur, son changement de la vie, lui mandé, c'est ça l'a annoncé, c'est ça l'a prêché pour moun dans toute Galilée, dans toute Judée, tout le monde qui a vu de côté de yo disposé yo pour yo recevoir grâce, délivrance, changement nouveau, Jésus a porté la naissance liya. Moi souhaité pour nous vivre moment ça avec en pile la foi, même souhaité tout pour nous vivre avec en pile responsabilité, avec en pile sens sérieux. Deuxième dimanche temps l'avant, il mettait nous puis prépare, il fait puis pré Noël. Il fait nous ouais tout puis bien responsabilité nous gagner, n'a préparer route la vie nous, n'a accueillir monde, n'a vivre avec monde, n'a servir Jésus témoin, n'a comprendre la vie nous toute. Li gagne yon destination, li gagne yon aboutissement, li gagne tout la donné pour nous prendre au sérieux tant que témoin Christ. Nous souhaitons en pile bénédiction pour nous pour aujourd'hui, pour ce maintenant, pour tant d'avant ça. Nous souhaitons tout pour nous tous ensemble, nous comprendre dans l'église on a fait route ensemble, dans la synode et puis nous gagne pour yon pour te tout ça li capable. Pour tout quoi avancer ensemble, pour un témoignage, pour tout côté noyé sur toute terre. Bon dimanche l'avant, bon semaine tout, et puis nous en route ensemble. C'est pour bon Dieu béni nous, c'est pour bon Dieu béni famille nous. As we move towards Christmas, today, the 5th of December, we are celebrating the second Sunday of Advent. The text of this Mass speaks a lot about the importance of good roads. The prophet Baruch explains that to facilitate the journey from the exiled city of Babylon to Jerusalem, good roads are necessary, and steep hills will need to be leveled, deep crevices will be filled in. And likewise, the spiritual journey from sin to grace requires an inner effort. To prepare the way for the coming of Jesus, hearts and souls will have to be cleansed and reformed and redressed like old country roads after years of neglect. And John the Baptist in the Gospel uses the exact same metaphor. The upcoming feast of Christmas, my dear brothers and sisters, is not simply a recall of the past, but it is a reenactment, meaning that the same outburst of light and grace that illuminated Bethlehem 2,000 years ago is going to shine forth with the same power in our midst through the Christmas liturgical celebration. Christmas is a real coming of Jesus in our time. Will you let him into your heart, into your home, into your life? How to prepare to make him come to you? Maybe praying more, practicing charity, repent from practices that betray the gospel. Well, all this combined, but remember, as a witness of Jesus' presence, today you are called to incarnate the values that he himself had brought into this world. The values of love, forgiveness, and life. This is part, and reconciliation. This is part of our living as Christians. I wish you a wonderful Sunday, beautiful Sunday, a wonderful time of Advent, of preparation, of penance for the Christmas event, that is the Jesus is coming into the world through you today. May God bless you. May God bless your family. Mes frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Ce 5 décembre 2021.
La lecture biblique du jour, tirée du livre du prophète Baruch de l'Ancien Testament, chapitre 5, verset 9, du psaume 126, de l'épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 4 à 6, et de l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 3, verset 1 à 6, quatre passages de la Bible. Sa lecture utilise beaucoup l'image de la route. Le prophète Baruch, dans l'Ancien Testament, annonce la fin de l'exil de Babylone et demande aux exilés juifs de réparer les routes, car ils vont devoir retourner à Jérusalem. Les mauvaises routes entravent les voyages. Il faut donc se mettre au travail pour aplanir les buttes et les collines boueuses, combler les crevasses et rendre droit les chemins tortueux du cœur. Le repentir est ici comparé à une route qu'on répare et qu'on refait. Mais tout ceci n'est qu'une métaphore, une comparaison. Noël arrive. Il ne s'agit pas simplement d'un rappel pieux d'un événement passé. Ne commettons pas l'erreur des habitants de Bethléem qui fermèrent leurs portes aux visiteurs célestes. Non. Jésus qui vient, il vient pour aujourd'hui et il vient pour l'avenir. C'est le second retour du Christ. La saison de l'Avent précède Noël pour nous préparer à ce retour du Seigneur. Le monde est bouleversé. Nous voulons tous la paix. Ce n'est pas une mauvaise idée de commencer par soi-même. Profitons de cette saison pour redécouvrir la conversion, la pénitence, le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation avec les autres, le chemin du don, du dépassement de soi. Mais en confiant toujours, en nous confiant toujours sous la grâce de Dieu. Puis-je vous souhaiter un joyeux temps de l'Avent, mais un temps d'espérance dans l'attente et dans la véritablement dans la préparation de votre cœur, de votre vie, par des gestes concrets, non seulement de témoignage de la présence de Jésus en vous, mais de collaboration pour bâtir son royaume. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille.
Au soleil levant, splendeur de la lumière éternelle, et soleil de justice, venez pour éclairer ceux qui sont assis à l'ombre de la mort. Notre roi, espérance des nations et sauveur de tous les peuples, venez nous libérer.